Bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. Ah non, c'est magnifique. J'attendais ce moment impatiemment. Vous savez, j'avais hâte de voir ça. Et je savais que ça allait venir. Ça allait venir tout tard. Nous voilà. Vous savez, je vous ai dit, il y a plus de six à sept mois de cela. Je vous ai dit que le jour que le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG LANAD vont construire un seul blog, le véritable problème de la Guinée trouvera sa solution. Tous les problèmes ont leur solution. Je vous ai dit, mais attention, attention à l'UFDG LANAD, attention, attention, encore, attention. Alpha Condé et ses enfants, c'est des rusés. Attention aux accords que vous allez signer. Attention. Les coalitions, vous qui allez vous asseoir autour de la table pour discuter avec Alpha Condé, c'est-à-dire, quand je dis Alpha Condé, ce sont ses représentants. Parce que le RPJ c'est la propriété privée d'Alpha Condé. Les enfants d'Alpha Condé, ils sont sortis de l'école de promesses d'Alpha Condé. Et aujourd'hui, ils sont dans la nécessité de travailler main à main avec les autres, afin que leur cadre puisse sortir des prisons. Mais malheureusement, ce sont des anciens ministres. On ne parle pas là des cadres du RPG arc-en-ciel. Responsable de l'UFDG et de l'ANAD. Responsable des autres partis politiques. responsables des autres coalitions. Faites très attention. Ces gens-là sont rusés. Ces gens-là sont malins. Ces gens-là, effectivement, ils ont un objectif caché. Dans tout ce travail qu'ils veulent entamer avec vous. Surtout aux responsables de l'UFDG de l'ANAD. Comprenez la nécessité de ces gens-là. Parce qu'ils sont aujourd'hui dans l'obligation de travailler avec vous. Nous savons tous que la plus grande force politique en République de Guinée, c'est l'UFDG et l'ANAD. Nous savons cela. Et ce cest cette coalition RPG arc-en-ciel veut faire face au CNRD. Mais elle ne sait pas comment faire face. Parce qu'elle n'a aucune capacité de mobilisation. Elle n'a aucune capacité effectivement d'effrayer le CNRD. Et elle se dit quoi Avec l'UFDG et l'ANAD à côté, nous avons un poids. Nous avons un poids parce que nous avons aujourd'hui un ennemi commun. Ils considèrent le, le CNRD, le colonel Madi Doumbia, comme un ennemi commun. Ils se disent alors, nous devons nous donner la main pour combattre. Nous devons nous donner la main. Pour chasser ces militaires à la tête de la République de Guinée. La question qu'il faille se poser, après avoir chassé les militaires à la tête de la République de Guinée, qu'est-ce que vous allez faire après? Oui. Qu'est-ce que vous allez faire après? Et comment vous allez vous comporter dorénavant après avoir chassé les militaires à la tête de l'État? Qu'est-ce que vous allez faire après? Oh non, on n'est pas d'accord avec les trente-neuf mois. Il faut chasser les militaires. Il faut réduire. il faut que ça soit dix-huit ou vingt-quatre ou six mois. Il faut que ça soit quinze. On n'est pas d'accord. on n'est pas d'accord de la manière dont ils sont en train de gérer notre état. donc il faut les chasser. Oui, c'est le slogan. La dualité va commencer. Nous disons aujourd'hui qu'il y a la souffrance en Guinée, mais cette dualité entre le CNRD et la coalition UFDG, ANAD, RPG Arc-en-Ciel et les autres partis politiques, un seul bloc face au CNRD, ça sera une dualité opaque. Bien évidemment. Ça, une, ça sera une dualité sans précédente. Vous imaginez Selou Diallo Alpha Condé faire face au CNRD. Vous imaginez les militants sympathisants de l'UFDG et de l'ANAD mélangés à ceux du RPG Arc-en-Ciel et les autres coalitions, de, de, de coalitions politiques en République de Guinée. Vous imaginez toute cette grande coalition face au CNRD. Paf Il faut chasser le colonel. Il faut l'enlever. C'est ce, ce que les gens veulent. Il faut l'enlever. Côte côte, il faut qu'il organise les élections. Lui aussi, il dit la refondation de l'État. Nous sommes allés pour une dualité. Non, c'était imprévisible. C'est-à-dire, c'était déjà prévisible. J'allais dire que c'était imprévisible, mais c'était prévisible. Je savais, je craignais cela. Je savais, je savais que ça allait arriver, mesdames et messieurs. Nous voilà aujourd'hui. C'est clair et net. Qu'est-ce qu'ils vont se dire? À part, il faut qu'on se donne la main. À part, il faut qu'on il faut qu'on travaille en synergie, dans l'harmonie, dans l'attente, dans l'entente, effectivement. Dans la cohésion. Afin de chasser ces militaires. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas bon. Oui, mesdames et messieurs. Le but de cette réunion, c'est ça. Mais attention. 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 Dans les buts, il y a un but. Le RPG arc-en-ciel veut atteindre son but. L'UFDG, l'ANAD, veut atteindre son but. Les autres coalitions politiques veulent atteindre leur but. Chacun a son but. Chacun a son objectif dans cette réunion fatale. Mais, l'objectif commun aujourd'hui, c'est comment chasser ces militaires à la tête de l'État. C'est ça. Eux aussi se disent non, la refondation de l'État. Donc, mesdames et messieurs, nous allons voir la suite. Vous dispatcherez au maximum la vidéo. L'ennemi de ton ennemi est ton ami. L'ennemi de ton ennemi est ton ami. L'ennemi de ton ennemi est ton ami. Le CNRD est l'ennemi de RPG Arc-en-Ciel, certainement. Et le RPG Arc-en-Ciel est l'ennemi de... <laughs> l'ennemi de ton ennemi est ton ami. Alors, moi, je me dis, au lieu que... L'UFDG et l'ANAD ne travaillent avec le RP arc-en-ciel. L'UFDG devrait plutôt exploiter ce moment et travailler avec le CNRD. Enfin bref, ça c'est ma théorie à moi. Mais nous allons voir la suite mesdames et messieurs. Vous partagez la vidéo. Je vous aime, je vous adore. Je viendrai encore vers vous pour vous donner autre explication. Merci beaucoup.